Coucou, bonjour à tous, nous voici avec Léa. Coucou. Ouais, tu fais un tout petit coucou. Coucou. Oh, bah c'est un rikiki coucou. Je suis fatiguée. Ouais, elle est fatiguée, elle était à la patinoire ce matin, elle est KO là. Donc, un nouvel épisode du Let's Play Animal Crossing. Je sais que vous êtes nombreux à attendre les épisodes de ce Let's Play. Et Sony, elle m'a dit, il y a des abonnés qui disent, mais elle est là, mais en fait, elle est là, Léa. Léa, elle est là, elle mange du cake. Aussi, t'as mangé du cake. Allez, on est le mardi 23 octobre et il est 17h26 et je voulais absolument faire cette vidéo et tu avant parles trop vite. 18h. Mais parce qu'après 18h, voilà, c'est plus pareil. Enfin, je crois. Je sais pas si 17 ou 18, il me semble qu'à 18, il y a des choses. Par exemple, apporter les fruits à Kéké. Enfin non, à... Comment il s'appelle Kéké? Non. Ciboulot. Ciboulot, je crois qu'après 18h, on peut plus. Là, on peut plus après 18h. Et j'ai pas encore toutes les émotions, donc tiens, mais on va peut-être commencer par ça. On va peut-être aller lui porter un... Je vais faire vite. Ah, il y a du courrier. Je vais vite aller chercher ma console pour lui donner un fruit. Bah, voilà. Alors... lire. Alors, tu ne t'attendais pas à ce que je t'envoie un cadeau, pas vrai? C'est juste un truc dont je ne me sers pas. C'est pas de l'occasion, hein, il n'y a pas une égratignure dessus. D'accord. Alors, retirer le cadeau. Jeter. Et ça, c'est qui ça? Lire. Ah, bah, c'est tonton qui est parti. Ah, sort cruel, quand tu liras cette lettre, j'aurai déjà déménagé loin d'ici. La gloire m'attend ailleurs, mais tu resteras ma groupie préférée, n'en doute pas. Sans regret, tonton. D'accord. Ouvrir le cadeau. Qu'est-ce qu'il m'a offert, ce cher Peck? Une chaise bleue. J'entends ça. Ok. Bon. On va aller cueillir des fruits. Tiens, allez. Alors là, c'est des oranges. Ah, mais non, pas des fleurs. Alors, allez, où la troisième orange? Donc, on va les mettre ensemble. On va les lui porter, et puis après... Ah, attendez, il faut des fleurs pas arrosées, là. Et après, je montrerai ma maison. Ah, puis il y a des pêches parfaites. Hein. C'est vrai? Non, c'est pas les mêmes. C'est pas les mêmes quoi? Non, on peut pas mélanger les pêches parfaites avec les... Non, non, on peut pas. Les pêches pas parfaites. On n'a pas le droit. C'est la loi d'Animal Crossing. Ouais. J'adore le bruit des pas. Là. Allez. Ah mais j'ai une maison plus grande aujourd'hui. Bah oui. En plus. Bon attendez, je vais donner les fruits d'abord. Club MDR. Moi aussi je vais vite aller donner les fruits là. Dès que je sors de ma maison, je fonce. Bon, si j'ai pas trop, il faut que je ramasse, mais... Non, c'est pas ça. Voilà. C'est trop fort. Non, ça va. Ok.
Ah, ma blague sur le frisson. T'as vu, c'est ça? Mais ces blagues, elles sont pas drôles. Non. Que va faire une vache au marché? Je sais pas. Acheter du meule. N'importe quoi. C'est drôle. D'accord, voilà. Et ben, tu vas aller bosser au club MDR. Hein. Donc maintenant, je peux frissonner, dites donc. Ah bah, ça fait un moment que on ne vous a plus vu. Comment allez-vous? Tu m'étonnes. Elle est de la même avis que moi. Bon, et voilà, donc je frissonne maintenant. Demandez de nouvelles, ils seront... Bon, alors, juste que je vous montre donc ce que j'ai. Je vous montre mes émotions, donc il m'en reste quand même pas mal à trouver. La première page, elle est complète. Et la deuxième page, j'en suis là. C'est en ligne. Bah oui, c'est en ligne. Hein. Ah, alors. Bon, je vous emmène voir ma maison agrandie, puis j'ai un peu chamboulé les trucs là. Depuis que Sarah m'a changé mon sol et mon papier peint. Je vais vous montrer tout ça. Alors, ça va prendre quand même. Moi, j'ai beaucoup de place dans mon inventaire. J'ai beaucoup de place dans mon inventaire. Allez, on va voir ma maison agrandie. Donc, j'ai agrandi la pièce du fond, la pièce, la chambre d'enfant. T'as agrandi que la chambre d'enfant? Ah, rock'n'roll. Pourquoi t'as pas agrandi ma chambre? Bon, alors, donc, voili voilou, donc on m'a offert les deux tables là, bonbons. Dessus j'ai mis une tarte, j'ai mis les fruits, les légumes d'automne. On m'a filé aussi le canapé bonbon que je vais vous montrer, qui est super mignon. César, il vient habiter chez moi. Ah bon? C'est César là, c'est la maison de César. Ah ouais? Il est habité chez moi. D'accord. Donc je suis en train d'enlever petit à petit les trucs roses. Mais ça je garde par contre parce que le téléphone cœur j'aime beaucoup. Tiens d'ailleurs on va voir ce qu'il nous dit. Donc je ne donne pas tout mais j'ai vendu déjà beaucoup de choses. Alors. Le bas à motif animal. Wow. Bon, alors on m'a aussi donné la cheminée, mais je pensais que ça ferait mieux que ça. En fait, je vais peut-être plutôt prendre l'âtre là. Enfin, je sais pas, parce que finalement, je trouve que ça fait bizarre. Par contre, l'armoire rococo, la chaîne ici, tout ça, ça va bien dans le décor. Le xylophone aussi. Bon, enfin voilà. J'aime beaucoup, franchement, le sol et le papier peint. Et après, je vous montre la chambre d'enfant, donc qui doit être agrandie maintenant. Un objet perdu. Ah ouais, génial, c'est plus grand. Donc, vous voyez, je mets les trucs un peu roses. Enfin bon, ça c'est rouge, mais je vais faire. Donc, j'ai mis ça avec la berceuse dedans. Je sais pas comment je vais mettre les choses. Hein. Franchement, je ne sais pas. Et franchement, c'est super de voir l'agrandissement. Donc en fait, j'aimais pas trop les comment les trucs multicolores là. Non, c'est pas ça que je voulais faire, zut. Mettre là-bas. Donc j'ai enlevé les trucs rouges, jaunes, là, machin bleu. Ça j'aimais pas trop, mais je garde des choses un peu roses du coup. Enfin, avec le berceau. Donc voilà, je remets le lecteur. Alors, hop, une poupée, voilà le berceau. Il est tout petit. Le berceau, en fait, il faudrait que je le mette, ouais.
Il faudrait que... non. Que je le mette plus au centre de la pièce. Pour l'instant, je pousse les choses, hein. J'aménagerai bien après. Ah mais c'est beau de pousser. Ouais. Qu'est-ce que... J'ai donné mon fruit, ça y est. Ça y est, t'as eu quoi toi comme émotion? Bah attends, je vais te dire. Là, je suis la rêverie. Hop. Ah oui, c'est des nuages, c'est deux nuages qui m'ont sauté à l'eau. Ah, j'ai plus de place. Donc ça, je sais pas, je vais le pousser un peu. Je sais pas. Bon, pour l'instant, je laisse comme ça. Est-ce que j'avais d'autres choses à mettre, peut-être? Bah oui, le lit enfant, il est plus là. Non, c'est ce que j'ai expliqué tout à l'heure. Pourquoi? J'ai pas entendu, moi. Eh, j'ai pas entendu. Attends, bah parce que j'aimais pas les couleurs. Non. J'ai gardé le berceau. Mais le berceau, c'est tout petit, on pourrait jamais mettre un enfant là-dedans. Bah si, mais attends, je verrai peut-être d'autres trucs qui me plaisent après. Berceau, la rêverie. Alors, qu'est-ce que je vais mettre là? Pour l'instant, je mets un peu comme ça en... Ah oui, il y a l'armoire. C'est ça. Regarde. Ah oui, ah mais je l'ai pas ça. Non, tu l'as pas. Je ne l'ai point. Tout ça là, c'est les trucs qui sont contents et en bas les trucs qui sont pas contents. Petite lampe bonbon. Excusez-moi, je désactive. Il a du quoi, je m'ennuie. Ouais. Qu'est-ce qu'il me reste là? Dans le jardin. Bah, c'est pour mettre dans le jardin, dans le jardin, va te coucher. Mais non, justement, il y a des trucs, tu peux pas les mettre dehors. Bah, je sais. Tadam! Bon, écoutez, on va s'arrêter là pour l'instant, là, dans la maison. Je vais aller voir. Donc la cuisine. La cuisine. Bon, j'ai rien changé au-dessus et en dessous. Et là, du coup, je vais remettre ça peut-être au centre. C'est-à-dire quoi au-dessus et en dessous? Dans la cave et au grenier, quoi. En haut, c'est pas la cave, c'est la salle de bain. Oh, c'est pas la Ouais. cave, c'est la salle de bain. Oui, mais j'ai rien changé. Voilà. Hop. Voilà, est-ce qu'il n'y a pas un truc qui gênait là-bas? Non. Si, ça peut-être. Je vais pouvoir le mettre là, peut-être. On va essayer. La carte Pokémon avec moi pour jouer. Bon, voilà. Bon, le reste, on verra. Donc, on va aller voir un peu ce qui se passe. Oh, il y a un champi là. Hop. Bonjour, Pec.
Carcassin, ben je peux essayer, hein, mais c'est un poisson, ça. Allez, un carcassin pour Peck. Ben non. Ce que j'ai fabriqué là. On n'a rien. Allez. Une mauvaise herbe. Je regarde, tout est plein. J'ai pas beaucoup de sous là du coup. Hein. Non, zut. Bon, qu'est-ce que j'aurais à vendre? Un champignon plat, ça va pas me plaire beaucoup, ça. Allez. Ouais, c'est rien du tout, ça. Ok, c'est pas grave. Allez. Oh, bonjour, toi. Merci. Alors, Repec. Repec. C'est quoi Repec? Oh, tiens, je vais aller voir. Je vais aller chez Nick. Je vais aller mettre mon rêve à jour, ça me fera toujours 5000 clochettes. Allez, Nook. Super beau, mais j'ai pas de sous moi, donc je vais rien acheter là. On va d'abord aller mettre à jour la ville numérique. Et puis après on ira voir ce qui se passe sur la place. Oui, on fait. Ok. Oh, bah déjà, j'adore quand je suis là, moi. C'est super zen, l'ambiance. Okay.
Arrête de ronfler. Non mais ça m'endort moi. C'est bizarre, il n'y a pas. Attends. Il n'y a pas de petite musique. Hein. Waouh, 602 personnes, merci. Eh bien, merci. Famille Clochette, franchement, c'est cool ça. Pourquoi c'est alors, cool? je vous montre mon code onirique pour ceux qui voudraient l'avoir. Ouais, je suis de femme. Voilà. 6000, 2312, 1221. Allez. Tu peux pas, tu peux pas. Alors, est-ce qu'elle est là, Vanina? C'est ma nouvelle habitante. Ah, oh, j'ai pas de chance à chaque fois que je vous la montrer, pas là. Elle est trop mignonne. C'est vrai? Ouais. Ah, super. Hey. Oh, merde. Pardon. Ah, voilà, c'est loupé. Ah là là là, quelle catastrophe. Bah voilà. Bon bah tant pis. Hein. Tant pipi. C'est mal fait, hein. Non, il se passe rien là. Ah, il y a une Pokéball jaune. J'ai trouvé une Pokéball jaune. Tiens, on va aller demander à Marie ce que. Jaune. Ouais. On va aller demander à Marie ce qu'elle pense de la ville. La C. La CSO1 coupe. La CS01. Ah, c'est pas mal, tu peux couper les arbres, je crois. Alors, indice de satisfaction. Saperlotte, cette ville est digne d'être exposée dans un musée. Ah bon? Voilà. Pareil. Super, ça va bien. Bon, ok. Donc, ben, on va repasser vendre nos cristaux et puis on va du coup et puis on va aller faire un peu de shopping.
on peut pas bien dans ce jeu, c'est qu'on peut pas se déplacer avec avec les rollers à l'intérieur. Ah bah non, moi les rollers j'ai beaucoup de mal avec. Hein. Ah non, ça va. Moi j'aime bien. Ça c'est bien, mais ça va, je vais avoir un peu de sous là, c'est bien. Moi j'ai beaucoup de sous. Hey, mais tu dis que t'as un peu de sous, t'as beaucoup de sous. Tout est relatif. Hein. Vie de forêt? Moi, tu as vie de forêt? Non? Ah oui, d'accord. Je suis dans là aussi. Je t'arrive. Je trouve pas son quoi machin là. Oh, c'est mini ça, tout marron là, le petit temps qu'on écoute. Ça va. Ça, ça pourrait aller avec ma déco ça. Ouais, je prends. Un marteau piqueur. Ça peut être marrant, mais ça peut être marrant genre avec mon mur en briques là. Ouais. Mais bon. Un du boss, une chaîne déjà. Je cherchais partout son gros machin là. Alors, oh ça c'est mimi ça. Ah ouais la chaise aussi comme ça, mais ça coûte cher. Oh 120 000 clochettes. Non mais ça va pas la tête non. Je suis désespérée, je trouve jamais son gros machin. 120 000 clochettes. Mais vous êtes malades les gens là. Qu'est-ce que c'est ça? Tiens, c'est quoi ça? Ah, c'est un arrosoir! Ah bah oui. Bon, on va aller chez Sœur Godefée. Ah, tu m'achètes les lunettes comme ça? Donc là, tu m'achètes les lunettes comme ça? Attends, j'en ai fait un petit hook marron aussi. Ah non, c'est pas ça que j'en ai fait. J'ai la momie. Ah, déjà ça. Ah, moi j'aimerais bien le masque de momie.
Je vais essayer ça. J'avais envie de m'habiller en marron. En marron? Ouais, pour l'automne. Oui, c'est classe ça. Merci, je suis moche. J'adore. Ah mais si je suis allée voir à côté ou pas? C'est quoi? Je sais non plus. Non, je sais plus. Je sais pas où j'ai son quoi machin là. Ah, il m'a pas dit un bas animal tout à l'heure. Si. Voilà. Non, je sais où faire pas bas animal. Ah, mais c'est bon, bah c'est ça. Ouais, alors par contre je vais aller mettre autre chose en haut parce que... Ah t'es belle comme ça. T'es belle comme ça. Ça va me porter chance. Ça va te porter chance. Oui, c'est le téléphone cœur qui me l'a dit. Ça va te porter chance quoi? On dirait que je vais aller à la chasse aux léopards là. Bah je vais peut-être rencontrer les habitants qui vont me donner des trucs quoi, je pense que c'est ça. Ça va te porter chance. Parce que le téléphone cœur il m'a dit de me mettre un bas animal. Alors j'ai mis un bas animal. C'est comme la voyante en fait quand elle te dit des trucs. Mais voilà. Je vais passer dans ta bouche là. Alors, on va réveiller Kibou. Examine mon fossile, je te prie. Que j'aille le revendre. Désolé. Mais qu'est-ce que j'ai fait là? Oh, j'ai encore appuyé une fois de trop. Allez. Pom pom pom. On va y revendre notre fossile. On va voir si on a de la chance. J'ai pas comme chaussures, moi, je sais pas. J'ai pas... Attends, je peux... Ah bah non, je peux pas aller plus près. Allez, cours, Forest, cours! Qu'est-ce que je peux lui donner? Moi je pourrais lui donner ma cheminée justement. Ta cheminée? Ouais parce que ça va pas en fait, c'est l'âtre qu'il me faut. Mais la cheminée ça fait bizarre avec le mur. Bon alors moi je te vends ça. Bon, je vais aller installer le tabouret chez moi. Bon, petit à petit, j'espère que ça va prendre forme. Ah ben, et puis je vais aller acheter la barrière là parce que. Enfin, pas cette barrière là. Donc je vais mettre un petit tabouret là. Voilà. Hop, hop, et
J'avais ce que j'ai dit que j'allais faire. Mais je viens de dire quoi là? Ah oui, acheter la barrière. Pas si vous êtes d'accord avec moi, mais moi je trouve que c'est trop long. Mais pourquoi elle dit ça? Parce qu'en fait, elle veut aller regarder la télé. Bah ouais, mais aussi. Allez, je vais aller m'acheter ma barrière. Hein? J'aime trop le toit là. Ah mais attendez, ouais, je vais aller prendre la cheminée, je vais aller la vendre, si j'ai une place. Ouais, j'en ai même deux. J'espère que je trouverai l'âtre. Ça, ça me plairait bien, je pense que ça irait bien avec en fait. Alors là, je fais mes pains. Donc bah, je suis. Enfin je remercie la personne qui me l'avait donné, hein. C'était sympa, mais bon, je pensais que ça irait et en fait ça va pas dans le décor. C'est pas ça que je voulais faire. Alors, je recommence. Donc, voilà, on fait, hein. Bon, je vais vendre mes pêches parfaites. Je vais aller voir. Est-ce que j'ai déjà pris l'âtre ou pas? Je sais pas. Je vais aller voir chez dans les galeries Mélimélo si j'avais déjà eu ça ou pas. Et puis ben ça va bientôt être la fin de la vidéo. Hein. Ah bon? Ah ouais, c'est aussi fini. Donc si jamais ça coupe, je vous fais de gros gros bisous comme d'habitude. Voilà. Et puis on va aller regarder le catalogue. Allez, on va se faire un petit coup de catalogue avant de se quitter. Donc la maison, comment ça s'appelle? Je crois que ça s'appelait un âtre. Hein. Voilà, c'est ça que je voulais. Ok, bah oui, je vais me commander une âtre. Bon, bah du coup, on va se faire, pour terminer la vidéo, on va se faire un petit... regarder ce qu'il y a dans le catalogue, puis on va voir s'il n'y a pas des choses qui arrivent dans la maison.
sa zone à mon. On connaît la zone à mon. Je vais prendre un bras zéro aussi. On a du merci. Ça j'aime bien. Mais est-ce que ça va aller dans le décor? Je sais pas. De quoi tu vas aller dans le décor? Que j'aimerais bien peut-être le faire aussi, c'est pas mal. Ouais, des trucs, hein, mine de rien. C'est rien dans le décor. Le bois moderne, ça peut aller peut-être. Hein. Bon, je vais pas prendre trop de trucs aujourd'hui, mais je reviendrai. Mais ou alors le rococo.